Arambit, bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent aux Épicuriales. Déjà, par rapport à l'an dernier, ici, vous venez aux Épicuriales, qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle organisation? Ouais, mais c'est bien. Enfin, on voit une petite différence par rapport aux autres années. Et ouais, non, c'est sympa. Ça s'améliore, les cuisines, voilà, on a vraie cuisine. C'est ça, les étoiles d'Épicure en dessous, c'est quelque chose qui est, au niveau de l'organisation, qui est plus facile pour vous, avec vos collaborateurs? Oui, oui, beaucoup plus facile, plus simple, puis voilà, c'est une vraie cuisine avec un piano, un four, enfin voilà, une phase d'envoi. Non, non, mais avant aussi c'était bien, mais bon, c'est vrai que c'était un peu plus... Vous allez nous parler déjà de votre parcours. Comment vous êtes venu l'idée de faire de la cuisine? Moi, l'idée m'est venue de faire de la cuisine, mais c'est que je suis tombé dedans très très petit, quoi. Voilà, je suis né au-dessus des cuisines, donc... Vos parents étaient... Mes parents étaient... Moi, je suis la quatrième génération de la famille, et mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents... Alors, votre restaurant est un restaurant donc familial de génération en génération. Oui. Où est-ce qu'il se situe, ce restaurant? Il se situe à Saint-Jean-Pied-de-Port, au cœur du village. Enfin, une petite ville, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est... une petite ville, plein cœur du Pays Basque, et nous on se situe sur la place à côté de la mairie, en plein centre. Vous avez une équipe de combien de personnes? Là en ce moment on a une dizaine, en cuisine. D'accord. Et voilà, et je pense qu'il faut essayer de créer l'ambiance, c'est sympa, bon, il faut savoir aussi dire là c'est pas bien, là c'est bien, et il faut dire aussi quand c'est bien. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, je pense qu'il faut respecter, tout le monde s'est respecté. Vous avez eu un maître? Aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire qui c'est? Un maître? Oui, enfin un maître, quelqu'un qui vous a montré le chemin et qui vous a aidé. Un maître, c'est mon père. Père? Ouais, bien sûr. Oui. Nous parler un peu de votre père. En plus, moi j'ai commencé avec lui, quoi. J'ai eu mes examens, mais même avant, je travaillais déjà l'été dans l'entreprise, tout ça. Et oui, c'est mon père. Après mon examen, je suis resté encore 2 ans et demi chez moi pour vraiment finir de la formation. Affirmer la formation. Et travailler avec son père, c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages, qui a aussi des inconvénients, souvent. Plus d'inconvénients, je pense. Plus d'inconvénients. Plus d'avantages, oui. Parce que bon, on travaille toujours un peu plus que les autres. Bon, ça nous arrive, des fois, voilà, le jour de repos, non, il y a du boulot. Mais bon, après, ça a des avantages aussi. Ouais. C'est bien. Alors ce soir, vous allez préparer quoi? Alors, ce soir, je prépare un pressé de rouget, poisson, pressé de rouget aux saveurs de piperade et jaune d'œuf à basse température. D'accord. Voilà. Ça, c'est c'est un classique de la cuisine basque, la piperade. Je ne sais pas si vous connaissez la piperade. Ah oui, ah oui. On parle, voilà. C'est de la tomate, avec des poivrons, beaucoup d'oignons, de l'ail, et c'est lié avec du jaune d'œuf. Et moi, j'ai un petit peu décomposé tout ça. J'ai rajouté un peu le côté pêche de Saint-Jean-de-Luz, de la côte basque, et un petit mélange terre et mer, voilà, qui est assez sympathique. On retrouve le jambon, le poivron, la tomate, et tout est un peu décomposé. Le jaune d'œuf est à basse température, puis à basse température. Et ensuite un filet de veau avec un risotto d'épeautre et des asperges vertes rôties au lard. Voilà. Et je fais un risotto d'épeautre. L'épeautre, c'est une variété de blé. Ouais. Poudre de lard sur le filet de veau, pardon, pour relever un petit peu tout ça. Des petites compressions d'asperges, un coulis d'oignon rouge, une petite sauce, un petit jus de déglaçage. Voilà. Ça, et ensuite le dessert, c'est un biscuit noisette avec du praliné croustillant et une crème praliné cacahuète. Voilà, il y aura des noisettes caramélisées, un petit crème carambar, un caramel de pomme et un sorbet pomme verte et des chips pomme verte. Vous avez des apprentis, vous les sentez comment en général? Vous voyez qui va évoluer? Oui, bien sûr. Oui, à quoi vous voyez? On le voit assez vite. Enfin, déjà la façon de travailler, quand on montre quelqu'un quelque chose une fois et qu'il comprend au bout de la deuxième, on se dit qu'il va être pas mal. Et l'autre qui au bout de 10 fois, il comprend toujours pas. Bon. Mais on essaie d'être. Voilà. Mais bon, oui, on le voit vite par rapport au travail des gens. Tout ce qu'on souhaite, c'est que les étoiles brillent toujours au-dessus de vos têtes là-bas à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Et merci de nous avoir accordé cet entretien. Et puis merci pour la soirée que vous allez nous faire passer. Voilà. Ça, il faut que je reparte au fourneau. À bientôt. À bientôt. Merci.